C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Bonjour, bonsoir à toute la famille. Bienvenue tout le monde. C'est toujours un grand plaisir pour nous croiser, pour nous parler pays, fournir, garder situation sociopolitique et garder qui évolution possible qui gagne. Dans cap serré souci cap contre là, Claude Joseph pap bay li gen. Li révisé pour pire un message clair coup de loco, un message piment bouc bay président dominicain Luis Abinader avec toute faux nationaliste haïtien. Ou pral gen chance pour tande message Claude Joseph là, est-ce que il gen tort, est-ce que il gen raison ou pas? Pour tout haïtien qui a parlé ça ou pas connait jodi là, qui a lapidé Claude Joseph, ou pral gagner occasion pour connait. Yon nan pi gwo indignation que République Dominicaine ba haïtien ba Haïti c'est en de cela. Et là tout on pral konnen qui est qui dominicain, qui ça qui République Dominicaine. Et dans rubrique qui sorle n'a continue recevoir quelques amis qui voulaient faire voir au passé sous situation sous crise politique là sous instabilité qui gen en Haïti dans moment là. Numéro a pas changé, c'est toujours 38 96 38 19. Voyons voice, écris nous pour participer avec nous dans l'émission. Et pas oublier tout passer sur Instagram là, passer sur Twitter Alpha Low émission Mon éditorial avec Yannick. Déjà m'a invité au partager émission, hein. Le train est en marche. Mon éditorial. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, ou et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et l'ennemi, mon éditorial vous dit tout. Émission Mon Éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon Éditorial. Sorti le lundi pour y faire vendredi, depuis le fait 2h, de chez Chanel Paul là pour qu'elle bien informé avec Yannick. Mon Éditorial. Nous prenons la balle et pays, nous prenons le débat, c'est toujours même Yannick là, même voix. On y est, pas changé. Avant même que je rentre. Dans fond émission aujourd'hui, il faut que nous fassions passer mais sous niveau hypocrisie un paquet haïtien. Parce que ça m'a gardé là moi-même nous un paquet compatriotes haïtiens qui prend pour aujourd'hui au pi nationaliste que dominicain qui décide prendre décision. C'est vrai que au cap vivre en République dominicaine, c'est vrai que au cap travailler en République dominicaine, c'est vrai au cap vivre en République dominicaine ou senti ou menacé par rapport avec réponse diplomatique que Claude Joseph Bailan, mais faut me dire ça très clairement. Souveraineté pays elle pas négociable sous aucun prétexte. Et ça Dominique fait aujourd'hui ça Luis Abinader fait décision que ministère intérieur prend toute décision ça a été coordonnée a été préméditée déjà. Et tout au long émission on va comprendre que gon démarche que République Dominicaine a fait aujourd'hui là dans ça qui concerne et politique intérieure Haïti c'est bagaille tête changer net. Ça qu'arrivé que et ou pas intéressé avec politique étrangère à une certaine époque. Ça qui arrivé que tout et ça qui concerne les relations haïtiennes dominicaines ou pas intéressé bah ça pas concerne nous-mêmes. Ou pral garder avec là. Yon parcours 7 ans de cela. Nan ki indignité République Dominicaine te meté nous. Nan ki yo te meté nous dans deux grenzoulier nous. Pour qui ça? Parce que gon décision que Dominique était choisi prend qui te mette et près de 250 000 Dominicains d'origine haïtienne yo te rendu apatride, yo te rendu sans nationalité, sans aucun pays d'attachement. Ah oui, ou pas de compte ça peut-être. Et décision ça, c'est pas parce que nous te gon chancelier, nous te gon ministre des Affaires étrangères qui te mal parlé avec yo non, qui fait yo te prend en 2013. En septembre 2013, Cour constitutionnelle dominicaine a été choisie pour dénationaliser, pour retirer nationalité 250 000 Dominicains d'origine haïtienne. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire tout le monde qui était fait, qui était un parent, un grand-parent qui était haïtien à partir de 1929, a dénationalisé, pas de nationalité dominicaine encore.
Et vu que en Haïti constitution nous yo pas t'admettre double nationalité, moun sa yo 250 000 haïtiens sa yo yo te vinn apatride. En 2013, et sur le plan international, ça te font paquet de tollé, ça te font paquet de bruit. Peut-être à l'époque, ou pas intéressé avec cause diplomatie, ou pas intéressé avec et relations haïtiano-dominicaines, ou pas qu'on a causé et information. Donc là où ou vin paraître nouveau par rapport avec ensemble des formations ça. Décision ça c'est pas ni en autorité haïtienne qui t'est poussé au prendre. Décision ça c'est pas ni parce que t'es gon laisser frapper t'es gagné conflit diplomatique qui fait ou t'es prendre. Ça sont décisions que un groupe nationaliste dominicain t'est prend. Puisque depuis bien longtemps causé racisme non depuis bien longtemps yo gon différent yo gon laissé frapper avec Haïti donc tout ça qui gagne Haïti à la base c'est normal pour yo désavantager c'est normal pour yo mettre en barrière pour yo mettre en limite donc ça font paquet de parler dans la presse internationale et puis à un certain moment de la durée yo vinn décider que yo pral garder comment yo ka bay moun sa yo opportunité pour yo ta vinn retourner dans registre dominicain jusqu'à date qui ça que j'en fait pour moun sa yo jusqu'à date qui feedback nous gagné de 250 000 dominicains d'origine haïtienne sa yo lagué sans papier yo on paquet de bagay ka passé entre Haïti et République dominicaine pas chercher responsabiliser en groupe moun pas chercher mettre challenge sur un groupe monde puisque décision yo gen tan prend au plus haut sommet en République dominicaine que c'est juge qui prend décision que c'est président qui prend décision que c'est ministre qui prend décision yo compte toute décision y a prend qui pas en faveur Haïti qui pas en faveur haïtien et m'a toujours dit si Claude Joseph te quitté situation ça passé pour pas corriger Kayle Sabinadel c'est sûr que Jean-Louis Abinadel fâché là c'est pas fâché seulement c'est dans t'a vinn griller sur Haïti des fois faut manyer moun nan faut apprendre peser plaire à côté le mérite peser pour voir qui réaction moun nan gagne Louis Abinadel li montre que nous gon et avec République Dominicaine li gen bonne volonté pour le résoudre pour aider Haïti résoudre insécurité pour l'aider nous rejoindre stabilité sécurité en dedans pays mais pour qu'ils soient estomaqués jodi là le Claude Joseph invité pour nous travailler deux concerts, pour nous travailler main dans main, pour nous pacifier toute l'île là. Pour qu'ils soient estomaqués, pour qu'ils soient fâchés. Sous ta gen pour fâcher, je dis, t'as pral fâché sous département d'État américain qui mettait alerte là dans le niveau 3, qui mettait le public pour tout le monde. C'est pas Haïti, c'est pas Claude Joseph. Et c'est ça qu'on doit connaître comme haïtien. C'est pas en question Claude Joseph li mal parlé dans ça qui gagne pour avec cause diplomatie. Li pral permettre li ouvri porte pour Dominique déporter nous voyer tourner Haïti. Me connaît ça préoccuper nous vraiment. On connaît nous a baï tête nos problèmes parce que nous investi République Dominicaine, nous l'école République Dominicaine, tout ça nous fait c'est République Dominicaine, n'a fui Haïti pour insécurité côté dans les République Dominicaine. Et là n'a gardé jodi un bilan. Si nous avons même fait un petit coup de pied dans le bilan économique, nous avons regardé qui poids haïtien représenté. Dans ce qui est pour avec l'économie dominicaine, dans ce qui est pour avec le budget de la République dominicaine. Et même dans la cause éducation, nous pesons en pile, nous voulons en pile, nous portons en pile l'argent dans l'économie. Il y a des moyens de pression en République dominicaine qui a toujours fait sur Haïti. Mais c'est nous-mêmes qui pouvons pousser à prendre les bonnes décisions. Et c'est pas sans raison après gain plusieurs autorités en République dominicaine, gain sénatrice et Santo Domingo qui réagit, gain magistrat et comment ville ça relé encore et pas vraiment rappeler me ville là. Gain magistrat Santiago en tout lui-même qui réagit. Sa décision que Louis Abinadel prend, décision que le ministre des Affaires étrangères prend, décision que le ministère intérieur prend en République dominicaine, c'est du racisme pur. C'est tout ça qui est pour avec racisme. Faut qu'on mesure pour comprendre, c'est pas blâmer Claude Joseph, c'est mettre en position, c'est mettre en niveau pour comprendre que yo ouvri non seulement en guerre diplomatique avec Haïti, parce que République dominicaine lui-même États-Unis mettez pied sous coule. Comment États-Unis mettez pied sous coule? Si vraiment États-Unis te gen bagay pour te cacher pour République Dominicaine, yo pa tap soti alerte. États-Unis, c'est pas ni on cause de bon rapport avec République Dominicaine, c'est pas ni on cause de bon rapport avec Haïti.
C'est intérêt personnel États-Unis, États-Unis a géré jodi a. Malgré que gain investissement américain en République Dominicaine, mais si la kayou pas bon, pour qui ça m'oblige à cacher pour ou? Pendant que on mette ou tant qu'on dans deux vendre ça gain pour avec crise en Haïti, ou pas ka régler problème la kayou, mon montrer c'est seul ou même dans région qui capote une solution avec problème Haïti. Donc faut que yo tapo, faut que yo blame, faut que yo mette en place ou gain jodi a. Et c'est ça qui fait que nous suspendons avec hypocrisie ça. Ça qui arrive que ça qui passe entre Haïti et République Dominicaine, ou pas comprendre ni. Mais Claude Joseph n'a pas de blâme en quoi que ce soit. Sinon que bah on réponse avec un monde qui te pose une question et question mérite réponse que on va lire. M'a regardé Nicolas Duvalier qui fait un tweet côté que l'a dit Claude Joseph et son crétin etc. Mais faut nous rappeler que Nicolas lui-même qui a venu traiter Claude Joseph de crétin, qui a venu parler dans cause diplomatie en dedans pays. Nicolas t'es même oublié côté de l'école, côté de apprendre métier en France. Qui parole pour venir fourer bouche dans cause Haïti. Avant venir blâmer moun nan sa ki gen pouwe avec politique intérieure pays, retourner pour aller chercher palmarès pour qu'on côte de l'école, pour qu'on est-ce que et domaine diplomatique là on ka venir parler sous lui ou pas. Autrement, femme et bouche qui te moun qui ka parler parler. Parce que ça nous besoin, je dis, nous besoin c'est moun qui comprennent, qui pou vini aider population. Nous pas besoin moun qui a vini faire digression, moun qui a vini et a vini. Moun qui a vini berner, moun a vini bon menti, a vini expliquer ça qui pas réel, ça qui pas vérité. Pour me retourner, dans la décision que la Cour constitutionnelle dominicaine a pris en 2013, ou imaginez tout le monde qui fait petit en République dominicaine, tout haïtien d'origine qui fait petit en République dominicaine à partir de 1929 jusqu'en 2013, moun sa yo perdu nationalité haïtienne. Essayez de comprendre. De 1929 à 2013, gap combien génération moun yo préjudicié. Gap combien génération moun yo fait abus, yo fait mal. Est-ce que t'es parlé? Est-ce que t'es revendiqué pour yo? Non. Est-ce que son autorité qui t'a poussé, est-ce que son autorité haïtienne qui t'a poussé, autorité dominicaine, prend décision ça? Non plus. Yo t'a un objectif clair. Et ça qui fait aujourd'hui là, ça qui fait hier 1er et novembre là. M'a dit nous très clairement son bagage qui était déterminé, il était prédéterminé depuis notre tribune Nations Unies. Le Luis Abinader t'a prend la parole, il t'a fait comprendre très clairement que jodiant là il y a bataille en République Dominicaine pour yo permettre à ce que 80% main d'œuvre qui gagne en République Dominicaine là c'est main d'œuvre dominicaine pour lui que l'en construction que l'en hôtellerie dans différentes chaînes d'hôtels qui gagne pour bail service en République Dominicaine yo a pas assuré yo sous 100% sous 100 monde 80 là-dedans au droit dominicain. Et on commence à demander pour tout grand entrepreneur, pour tout le monde qui a un job, pour permettre à ce que tout le monde qui parle légal dans le pays, soit dénoncé, soit cherché à régulariser, pour bien révoquer, parce que place n'est pas là. Et la majorité de monde qui travaille dans la construction, dans fait caille en République Dominicaine, qui est sur les Haïtiens. La majorité de monde qui travaille dans l'hôtel en République Dominicaine, qui est sur les Haïtiens. La majorité de monde qui travaille dans le secteur agroalimentaire en République Dominicaine, qui est lié Haïtien. Et c'est là pour comprendre, ça a été préparé déjà pour nous. C'est pas déclaration Claude Joseph qui poussait en rien. Il était là, il a pris un bon moment pour le faire. Donc comme Claude Joseph vini, il parlait, il trouvait le mal parlé et puis il a lagué. Faut que nous cherchions information yo. Faut que nous mettions nous dans situation pour nous comprendre élément de formation nous gagnons mais nous yo avant que nous aventurer nous dans bail qui est-ce qui gagne tort, qui est-ce qui gagne raison etc. Parce que je dis en bataille diplomatique ça la fête non seulement pour le mettre en division en mi-temps peuple haïtien puisque moun sa ka vive en République Dominicaine c'est sûr que yo estomaqué c'est sûr que et plume levé sous dehors fâché etc. Yo wè misère qui gen là en Haïti yo wè insécurité qui gen là yo wè tout problème qui gen là comment pou yo ta fait pour yo retourner en Haïti gat quantité moun yo sont déporté là récemment États-Unis sont voyé retourner en Haïti qui accueille qui attention qui baille zéro barre pour haïtien ça ka vivre en République Dominicaine là pour yo ta wè yo pral vin Haïti même gens nous gen également des moyens de pression pendant que République Dominicaine jodi an là li non situation pour montrer que li ka fait pression sur Haïti li gen autorité sur Haïti li gen pouvoir sur Haïti effectivement
Lorsque la quantité d'étudiants qui la CAI République Dominicaine, qui n'en paye à Benadel, la CAI et l'éducation là presque pas gain accès. Même leur gain université, même leur gain instant de formation professionnelle, avec cause insécurité ça qui au plus haut point, tout le monde peut. Donc si moun nan peur, il est obligé à chercher un côté qui plus ou moins stable pour l'aller. Et n'a pas admettre que dans ça qui gagne pour avec gangstérisation, dans ça qui gagne pour avec criminalité, c'est sûr que gagne en République Dominicaine, mais République Dominicaine yo font façon pour yo contenir. Mais nous même en Haïti, c'est là gagne bail, c'est laisser aller nous fait. Ça li clair, li évident. Si vraiment nous voulons ba une réponse avec République Dominicaine, c'est commencer préparer la caille nous. Préparer ça qui est pour avec système éducatif, la formation professionnelle, là, préparer l'université pour au moins pour nous avoir accès avec les jeunes, nous, préparer ça qui est pour avec sécurité, renforcer la police nationale. Là. Mettez de quoi pour paysans, nous, qui sont autosuffisants, mettez des outils dans les mains, bayo engrais, préparer le terrain pour yo, bayo tout moyen pour fonctionner, pour yo travailler, pour yo relancer la production nationale. Là. Et le ça vraiment n'a pas qu'à parler de pays et le ça n'a pas gain réponse non mais nous n'a pas gain zèle 4 non mais nous pour nous contrecarrer avec politique dominicaine non c'est aussi simple que ça de manière générale je dis là le n'a parlé de dominicain c'est presque trois références sous fait alcool plaisir et puis cigarette c'est seulement ça l'on vient gagner et en communauté étudiantine ou en groupe étudiant haïtien qui a la République Dominicaine premier bagage yo fait c'est influencer sous jeune dominicain oui faire recherche chimie l'école chimie éducation ça c'est premier bagage là deuxième bagage là chaque année c'est jusqu'à 300 millions de dollars américains que étudiant vaut dans budget dominicain 300 millions de dollars américains c'est pas jouette dit on pour fouler quantité étudiants haïtiens ça de manière indéterminée c'est dit que ou retirer 300 millions de dollars investissement dans budget comment on va le remplacer qui ça va le combler trou vide ça pour ou gon l'autre bagaille pour combler OK on va prendre décision qui va le refouler étudiants yo donc Haïti a gado c'est vrai que je dis on a dit que n'a pas admettre tout que et dans ça qui gain pour avec commerce entre Haïti et République Dominicaine par un commerce bilatéral. Nous seulement gain Haïti, nous seulement gain vente nous qui dépend de République Dominicaine, faut que nous acheter sous frontière là, faut que nous prenons marchandises pour aller couler, pour aller vendre etc. Ça nous clair sous les. Mais si République Dominicaine pas vend nous tout l'argent ça, tout produit ça, tout bien ça, yo pas bénéficier. Yo pas bénéficier parce que la perte la pompette pour yo la pompe trou dans budget yo donc gon façon pour nous mener bataille gon réponse pour bail et par rapport avec décision qui prend là pour ta refouler tout étudiant pour ta refouler haïtien qui vivent en République Dominicaine bobine fil tout ça c'est des moyens de pression et qui moyen jodi en là gouvernement haïtien gagne pour l'exercer sur République Dominicaine on cherche n'a joine n'a besoin ou décider refouler ou décider perdre 300 millions de dollars dans budget ou moi même ka fò perdre plus pendant 2 semaines seulement si moi même me ferme et pas première fois il a fermé frontière qu'on a dit OK on ferme frontière qui sont pral manger autorité a manger yo même yo à l'aise yo même etc. Mais faut que nous apprenions à souffrir pour nous porter bonne nouvelle pour nous joindre résultat. C'est dans l'hypocrisie ça, c'est dans pas rien souffrir nous ça, c'est dans quitter mon fait ça ça ouvre avec nous, c'est dans quitter dans accepter mon fait ça ouvre avec nous qui fait nous là. Avant que nous tombe dans limite ça, avant que nous arrivions dans niveau insécurité ça, nous t'ai commencé dans point A. Jodi a nous retrouver nous dans point Z là. Nous prend bâti voler à nous accepter. Nous dit ce n'est rien. Nous prenons en bas délinquant, en bas criminel, en bas gang, non? Nous disons ce n'est rien, ça va changer, ça va changer. Et puis je dis, nous avons une situation qui est incontournable dans mes noms. C'est le ça, nous mettons deux mains en tête, nous prenons les mouilles. C'est le ça, nous disons que c'est responsabilité, autorité, pas prendre. C'est le ça, nous disons qu'il faut que nous prenions responsabilité, nous dénoncer. Oui, il faut que nous dénoncer. Mais pendant que nous dénoncer, mais qui ça nous fait, comment nous avons réagi, quel comportement nous avons gagné?
Et très sincèrement, gon paquet haïtien, gon paquet frère, paquet sœur jodi an la qui contente yo seulement rete sur réseaux sociaux yo, lapide joure, dit que les décisions que autorité haïtienne yo prend, ça mette yo en danger, décision ça lien pensée etc. Mais c'est de l'hypocrisie. Combien fois dominicain a maltraité, combien fois dominicain a humilié, combien fois dominicain a passé craché, a passé la boue dans figure, fermer bouche, faire silence parce que la caillo sous territoire yo. Ou choisi faire silence malgré qu'on est face au traitement là, dit pas bon. Nous apprenons résigner trop, nous tolérons trop et tolérance ça la côté nous l'envie, nous tolérons ça la côté nous avenir nous. C'est pas seulement Haïti, nous pas gain avenir. Et n'importe côté où aller, on pas respecter droit. Comme moun, c'est n'importe côté où aller, on pas respecter ça gagné comme liberté comme moun ou risqué. Jodi an la, on trouve nou an situation côté que ça qui prend comme décision par bon côté chancelier, li estomaké ou senti ou indigné au plus profond de ou même. Mais regarde combien génération moun que arrêt 68-13 ans, li t'est indigné, il t'est blessé, li t'est mangé nanm yo, il t'est mangé cœur yo. Non pas jamais dit rien. Mes amis, faut que nous suspendons avec ça, faut que nous suspendons parce que pays a besoin tout vrai petite, il pas besoin faux nationaliste ça yo. Sans raison n'a désavantage un groupe moun au profit de un monde qui pas même gagne aucun intérêt à voir. Là Luis Abinader t'a prend décision pour dire que mais qui sa République Dominicaine envisager fait la Kaeli. Mais avec qui moun yo envisager et collaborer. Mais comment yo décide mener politique intérieure yo? Mais comment yo décide mener politique économique yo? Plan ça te gen ici là-dedans, li pa jam gen ici là-dedans. Et 20% moun yo di que yo kite le champ libre pour yo vin intégrer économie yo, pour yo vin gen accès pour yo travail là, li pa forcément 20 haïtien. Parce que République Dominicaine gen différentes nationalités là-dedans, gen plusieurs catégories moun ka viv en République Dominicaine. C'est vrai, majorité immigrant yo c'est haïtien yo, mais en dépit de tout ça, faut que nous admettre que majorité immigrants qui haïtien yo, la plupart nan yo pa gen papier, majorité en illégal. Pendant que République Dominicaine li gon politique migratoire fermé que la menen jodi, on politique migratoire restreint pour garder comment le ka gérer et territoire li, pour garder comment le ka gérer population li, et pour même on pote bourrer la cali de manière illégale et pour pral attendre que yo pral protéger, pral attendre que yo pral bien traiter, kou on bagay passe dans rapport diplomatique, kou autorité haïtienne parler ou décider ou refouler nous parce que pour la plupart nous illégal et pour pral dire c'est parce que yo t'ai parlé autorité t'ai prend décision etc. Nous malhonnête. Me garantis non. C'est pas première fois en République Dominicaine, y a refoulé étudiants, y a fermé accès avec étudiants haïtiens pour question université. Même tout récemment là, y a même interdit à ce que les femmes enceintes pour venir République Dominicaine pour t'avoir accoucher etc. Donc bagaille ça y a préparé bien longtemps. Il a préparé terrain au bien longtemps. Si c'est jodi a réalisé que et Claude Joseph qui parlait en mal parlé, c'est sûr que ou pas t'a gardé ça qu'a passé République Dominicaine. C'est sûr que ou pas de gagner contrôle politique étrangère dominicaine non. Donc ou juste sauter sous bagaille et puis ou laisser aller. Bien extrêmement important là pour comprendre que en tant que pays, en tant que nation, nous supposons faire respecter valeurs nous gagne la caille. Et ça fait intervention Claude Joseph là, mettez chapeau devant. Parce que il y a trop faux nationalistes, trop faux patriotes dans le pays. N'a propose nous remet pays, nous remet Haïti et puis tout ça qu'a sorti Haïti dans sa lier, nous toujours prétendre que et ces mauvaises décisions qu'a prend, nous toujours prétendre que pas grand qu'a régler dans le pays alors que nous même tout nous participer, nous pas avoir rien régler dans pays qu'a bon pour Haïti. Ça c'est hypocrisie. Et message que Joseph voye bay tout faux nationaliste, li profite voye le bay et Abinader tout, ou pral comprendre que réellement des messages ça gon vérité absolue là-dedans. Hypocrisie. Ah ouais. Et m'pral gen pour me tourner sur ça, ou pral comprendre que nous hypocrite trop et d'autant nous pas paré pour nous retirer hypocrisie ça nan nous pays pa jam font pas, ça c'est sûr. Entendez avec Claude Joseph. Je pense que les fondamentales quelque chose ça qui passe en République Dominicaine qui concerne Haïti, tout comme ça qui passe en Haïti, qui concerne la République Dominicaine. Nous-mêmes, nous sommes vraiment sincères, parce que nous connaissons un problème d'insécurité là-bas. Pas nous, plus grave que par la République Dominicaine. Effectivement, le plus grave.
Mais au niveau d'insécurité, je dis à gagner un major de l'armée qui mourit sur quoi qu'on soit téléphone. Alors, bonne nouvelle, carrément, je dis à même. C'est-à-dire qu'il y a un problème. S'il faut résoudre ce problème ensemble. Puisque si il y a des problèmes graves en Haïti, moi, je crois que répercussions sur la République dominicaine et conscient de ça. Nous d'accord sur ce principe-là, mais Haïti n'a pas qu'à résoudre le problème là de façon unilatérale. Le Premier ministre n'est pas passé comme porte-parole et il était capable de dire deux pays. Donc, c'est aussi vrai parce que l'île n'a pas un président. En Haïti, nous avons un Premier ministre qui maîtrise bien les relations internationales. N'est-ce pas? En République dominicaine, il y a un président. Il n'est pas le président de l'île. Tout comme le Premier ministre n'est pas le Premier ministre de l'île. Donc, il faut respecter ces principes. Ce sont des principes fondamentaux dans les relations internationales, n'est-ce pas? Donc, à part de ça, et le rapport de bon voisinage entre Haïti et la République dominicaine, écoute, ça va très bien. Il n'y a pas de conflit. Mm-hmm. Moi, je suis dans une dynamique d'une diplomatie insulaire. Même gens, République dominicaine, exprimer solidarité avec nous, les gens des situations d'insécurité grave, nous-mêmes tout, les nous garder notre département d'État alerte là, nous sommes au niveau 3, nous sommes au niveau 4, nous exprimer solidarité nous avec eux tout. Nous pensons, faut que gouvernement, deux pays, mettent ensemble pour résoudre le problème d'insécurité sur l'île là. Malheureusement, il y a des mauvaises interprétations de position ça que Haïti prend. Mais c'est une position de une diplomatie cap marché qui croit que faut gagner un rapport de bon voisinage entre deux pays, n'est-ce pas? Bon, on regrette et Jean yo retaliate Jean américain Takadia en et coupant ou bien pendant suspendre de visa que deux monde qui déjà sous place étudiant nous regrette. Au contraire, nous ça pas fait corps avec l'esprit de solidarité que Abinadel a demandé. Écoutez, c'est fait un bagaille, dit un bagaille, fait un bagaille. Et ça peut nous questionner le niveau de sincérité de cette demande de solidarité internationale et par rapport à Haïti. Donc c'est extrêmement important pour nous. Nous-mêmes, encore une autre fois, nous regrettons que c'est comme ça, tout l'a interprété, mais nous seulement fait référence avec un rapport ou note du département d'État et qui parlait d'un niveau d'insécurité, de crimes violents qui gagnent en République dominicaine. Mais pas l'autre bagaille. Nous avons un Abinadel, je dis là, qui montre que il y a toute bonne volonté net pour l'aider Haïti sortir dans la crise, là, pour l'aider à tirer les âmes dans mes bandits, pour l'aider à pacifier le pays, là, pour jouer rôle et porte-parole. Et Haïti, tout côté le passé, c'est comme si Haïti, c'est derrière la Kaeli, il a parlé pour Haïti matin, midi, soir. Il y a une conférence, c'est Haïti. Il y a un sommet, Haïti. Il y a une tribune Nations Unies, Haïti. Mais pour une fois, parler de problème, là, quand vous avez parlé de sauver pour la Kaeli. Et même la communauté internationale, ça que le président dominicain a choisi de faire un plaidoyer sous cause de sécurité Haïti devant eux, il a réalisé quelque part que dominicain c'est le principal bénéficiaire de crise, d'instabilité qui gagne là en Haïti. L'après États-Unis, je dis, on aurait les pays amis d'Haïti. Ok, nous disons ses amis Haïti. Et là, on a regardé. Niveau investissement États-Unis fait en Haïti et niveau investissement que le fait en République dominicaine, c'est deux bagages nettement différents. S'il investit $20 en Haïti, c'est 20 fois plus s'il investit en République dominicaine. Même moun ki di aux ses amis Haïti, mais pays d'où c'est quoi contact Figaro avec Haïti, mais pays qui parle de développement économique pour Haïti et États-Unis. Pendant que y a investi en République dominicaine, il y a la République dominicaine moyen nécessaire pour lui-même pour désavantager Haïti parce que la République dominicaine gagne un poids économique dans la balance dans Caraïbes là. La République dominicaine gagne un poids sécuritaire dans la balance. Nous connaissons ça. Les États-Unis a ba Haïti, yo ba Haïti et 2-3 machines pour PNH. Le a ba République dominicaine, yo ba yo blindé eux-mêmes.
Donc nous même c'est ça qui semblait nous, cette machine qui semblait nous, mais eux-mêmes ils semblaient et blindés. C'est de même dans cause économie en dedans pays nous. Si on investit 20 millions de dollars en République dominicaine, yo même yo investi 400 millions de dollars. Ça sont exemples. C'est pour montrer à tous les niveaux États-Unis défavorisé nous par rapport avec République dominicaine. Et c'est pas sans raison qu'il faut République dominicaine ni prendre le devant de la scène, jodiant, limiter comme seul monde qui en mesure, seul monde qui en position pour le faire plaidoirie pour Haïti, limiter comme seul monde qui en position pour le marcher chercher aide, pour le marcher chercher support, pour le marcher chercher approbation de l'autre pays, pour le demander en urgence sécurité pour Haïti. Malgré que lui-même il gagne problème il a caillé qui ça fait parce que il gagne États-Unis d'elle cap courel, il gagne communauté internationale d'elle cap courel, et depuis pas de communauté internationale je dis là dans ça qui gagne pour avec politique intérieure en Haïti ou États-Unis en avant. Donc tout ça qui a passé en Haïti là qui gagne pour avec et République dominicaine, c'est sûr que États-Unis campé d'elle. Et qu'on ensemble de décisions qu'a prend là dans ça qui vient pour et avec et politique économique République dominicaine sur Haïti, ça qui vient pour avec et relations diplomatiques République dominicaine avec Haïti, c'est sûr que gens nous même nous penser impact qui prend le gros influence qui prend le gros, c'est pas vrai du tout. Parce que il y aura toujours quelqu'un à calmer le jeu et Mounzal pas plus que États-Unis. Jodi an nou pa nan situation kote ke pou ap gen lese frape entre Haïti et République Dominicaine, fòk nou chèche tout moyen possible pou nou kalme jwèt lan, pou nou chèche ou entente. Et si ou même ou pa kwen nan entente sa, si ou même ou préféré privilégier pou ap fè désinformation, ou préféré et ap pran nan sa y ap fè jodi an la comme manœuvre comme dit la République dominicaine a fait sur Haïti, c'est sûr que on pas comprendre ça qui a passé dans mitan de pays. Donc là nous arrivons au extrême côté que faut parler, faut parler pour dénoncer ça qui a passé là, car faut parler pour dénoncer zak malhonnête ou subi en République dominicaine. Et bien jodi an là, moi gen deux produits m vinn présenter nous. Bagay sérieux net, pas gen menti dans ça. Une pommade qui rele Genzouti. Son pommade 100% organique qui permet tout rallonger pénion. Ah, ça t'a dit ça. Donc monsieur, madame, nous sauver. Donc pas de question plein et zouti monsieur a li piti, li coûte la bay problème non. Genzouti là l'a aidé au. Entre 30 à 90 jours ou après 3 à 5 cm. Plein fini corvée a fini d'ailleurs il pas gain effet secondaire, c'est produit tout en fait naturel 100% organique. Et d'ailleurs tout le monde qui servir avec tout garçon entre 15 à 75 ans ou qu'a utiliser gains outils ou joindre bon genre résultat. D'ailleurs pommade la parler de déjà pommade la parler pour tête li déjà. Deuxième produit li relé Gainbonne. Son pilule qui fait à base de 13 plantes naturelles. Li la li même la pour revitaliser quoi, la pour augmenter libido, la pour augmenter érection, la pour augmenter bonne. Nous d'ailleurs non parler de li Gainbonne. Kouni a ka prend médicament ça, ou a gain bagay nan mon pour frapper. Donc monsieur dame pas nan fè corvée, pas nan fè corvée à là parce que gen produit pour on porter produit pour ou ka rele nan 37 55 46 06 sou en Haïti, 37 55 46 06 sou en Haïti ou bien tout sou nan international, ou ka rele nan 514 886 97 76, 514 886 97 76, ou bien visiter website là pour plus facile www.zestofmoringa.com, zestofmoringa.com. On garde là qui passe dans l'écran, relé écrit mes amis, al prend produit yo ou ba moi résultat yo nan bon ti mamite. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, et bien on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Et bien sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, que chez Chanel par là, pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Le débat, c'est toujours même Yannick Lan, même voix. On y est.
C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus.